Bienvenue au complexe du tir sportif à Veden. On est reçu aujourd'hui par Yann qui nous confie le stand pour vous le présenter. Donc c'est un des stands les plus modernes de France aujourd'hui, voire le plus moderne, avec une ciblerie totalement électronique, contrôlable par des boîtiers, sur plusieurs distances, hein, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres et 30 mètres. Et d'ici quelques temps, ça montera même jusqu'à plus de 40 mètres. Voilà. Ça n'a pas l'air comme ça parce que c'est très beau, très, très technologique, mais en fait on est dans un vrai blocos ici. Toutes les parois sont renforcées en Ardox, que ce soit les parois sur les côtés, que ce soit le plafond pour éviter les incidents, mais aussi la butte de tir, donc qui peut encaisser jusqu'à du calibre 12-7. Voilà. Alors au niveau de la santé, tout a été prévu pour ça. Donc il y a des systèmes d'aération en fait, qui permettent d'absorber tout ce qui est gaz, poudre et les résidus de plomb qui peuvent être absorbés par les personnes. Et toute la partie électronique est aussi, renforcée par des systèmes d'Ardox permettant de protéger les systèmes. Donc voilà, par exemple, vous avez la cible, mais vous voyez la partie haute qui contient toute la partie électronique, elle est renforcée en Ardox pour protéger. Pour tous ceux que ça peut intéresser, il y a différents types de... Enfin, je sais plus comment ça se fait. Voilà. Il y a différents types d'allumages pour vous mettre dans différentes ambiances. Vous pouvez avoir une ambiance éclairée, une ambiance éclairée avec du bleu, mais aussi une ambiance surtout qui est bleue pour les forces de l'ordre pour pouvoir s'entraîner dans le cadre de nuit. Donc en éteignant toutes les lumières et de travailler juste avec la lumière bleue pour avoir une ambiance un petit peu différente. Allez, c'est parti, on fait le tour du stand. Donc, bienvenue dans la salle police du complexe du tir. C'est une salle qui est plutôt adaptée pour les forces de l'ordre, mais tous les mois est organisé ici un petit challenge en fait qui est différent, qui est innovateur à chaque fois. Je vais vous présenter celui de ce mois-ci. Donc voilà, vous avez deux zones, hein, 5 mètres et 7 mètres. Et le but est de faire tomber cette petite tige en tirant dessus à 5 mètres ou 7 mètres. Le passage coûte 1 euro, donc c'est généralement ce qui est pratiqué, 1 euro, et le gagnant remporte la moitié des mises en fin du mois. Voilà, donc cette fois-ci c'était ça. La dernière fois il y avait un jeu de cartes, je crois, qu'il fallait faire tomber, enfin qu'il fallait toucher. Voilà, chaque mois est organisé des différentes activités en fait pour permettre de faire vivre un petit peu différemment le tir sportif et de sortir un peu du papier à 25 mètres ou 50 mètres sans bouger. Voici l'autre pas de tir, on va y revenir. On va maintenant voir la salle TSV avec une possibilité de tirer à 180 degrés. Donc dans le centre de tir, on peut louer de nombreuses armes, hein, que ce soit du Six Sauer, du Glock, Chris Vector, du Rhino, des armes en vain de long rifle longues. Mais il y a aussi pas mal de matériel qui vous est proposé. Donc, en voici quelques-unes. Vous avez un labradar pour permettre en fait à ceux qui font des chargements de voir un petit peu la rapidité de la vélocité de leur cartouche. Vous avez un système de réglage de hausse qui vous est aussi prêté à tous les adhérents du club. Vous avez un pèse détente. Mais bon, vous avez aussi un système pour pouvoir vous permettre de vous poser avec vos armes longues ou armes courtes pour permettre de faire des réglages. Enfin, un dernier système qui vous est proposé, qui se trouve en France, mais en tout cas qui se trouve dans très très peu de stands de tir, c'est un système de cible réactive. Par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, vous avez la tablette. Vous avez la tablette, on va faire un départ, donc faire un tir de 5 cartouches. Stand by. Voilà. Alpha. Left Charlie. Round finished. Voilà, qui vous permet en fait de voir le temps que vous tirez, de voir les différents points touchés en temps réel. On peut voir ça en temps réel. Parce que ça donne sur la cible en réel. Bon, bah écoutez, je tire un petit peu sur la gauche. Donc voilà, bon, on est toujours dans la cible, c'est le principal, mais je suis un petit peu trop sur la gauche.
Alors, pour ce type de cible, bien entendu, il en existe plusieurs, que ce soit pour la chasse, pour le TSV, pour du fun, ou alors pour des tirs police. Ces produits vous sont prêtés par le stand de tir à tous les adhérents. Les cibles, elles, sont à acheter, mais en tout cas, le système de lecture vous est prêté. Et vous pouvez en bénéficier tout le long de l'année lors des ouvertures du club.